Ah, c'est beau, ma chérie, bravo! On se servira pas, ça. Ah, comme ça, oui. Bravo, dis. Là, ça n'ira pas. Au niveau de l'évolution de la norme des températures, qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais quand même je tape. Demain matin, les températures sont comprises entre 12 et 16 degrés et demain, on a eu un bon sa réaction. De 16 à 21 degrés, c'est toujours trop frais pour la saison. Mais ça, ça. Parce que mardi, dès la dissipation de la grise alimentaire, nous aurons droit à du beau temps de base éclaircie avec 25 degrés. Bah, elle est concentrée. Magnifique et mercredi, elle est concentrée. Estival chaud, ensoleillé, 28 degrés et toujours du beau temps. Ça va, monsieur, c'est pas ça. Jeudi, avec 24 degrés. Voilà le menu météo, un menu plus estival cette semaine. Et on parle d'une évolution orageuse, mais sans doute pas avant le week-end prochain ou croise des bois. Alors on va regarder ensemble les effets, non pas les effets, les rides, mais la qualité de l'air pour cet après-midi. Une qualité de l'air qui reste bonne avec un indice 3 sur notre échelle. Et bon dimanche à tous et à toutes. Ça va, elle a choisi bien. Oh, bravo! Non? Voilà son idée, en fait. Utilise l'industrie de la mode pour ses recrutements. Sur le papier, ça n'a pas beaucoup évolué devant nous. Je disais la paix dans les coulisses de la fabrication du jeans. Grand marque, en faux façon. T'as réfléchi? Une véritable guerre. Oh! C'est dommage.